Good morgen, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui, il est loin, Ishmat, Amram, Yona, Ben, Chana, Begi, Bat, Esther, Nissim, Ben, Amoda, Michel, Noekov, et aussi de Fouatrou, Bat, Plaisir, Ren, Nassim, Rabat, Mazou, du Béthor, Chachol, Israël. Si vous souhaitez aussi aider la prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions ma secrète de Yod, Père Gimel, Mishnah, Yud, Bet, Shlosha, Debarim, Rabbi Elazar, Ben Azaria, Matir, Vachachamim, Osrin, Parato, Yotz'a, Viritsu'a, Sheben, Karnea, Omekardin, Etabema, Beyom Tov, ושוחקין את הפלפלין ברחיים שלהן. רבי יהודה אומר, אין מקרנין את הבהמה ביום טוב, מפני שהוא עושה חבורה, אבל מקרצפין. והחכמים אומרים, אין מקרדין אף לא מקרצפין. שלושה דברים תחוע שוז, רבי אלעזר בן עזריה מתיר, רבי אלעזר בן עזריה פרמה, תנתיקו חכמים אוסרין. Et Chachamim interdise. Quelles sont ces trois choses-là? Premièrement, Parato Yotz'a Biretsu'a Sheben Karneha. Sa vache sort avec un ruban entre ses cornes. De quoi parle-t-on? Deux petites introductions. Tout d'abord, à Shabbat, aussi bien que la Torah m'interdit de travailler, personnellement, la Torah m'interdit aussi de faire travailler mon animal. Soit, si je n'ai pas le droit de porter dans la rue à Shabbat, alors je n'ai pas le droit non plus de faire sortir mon animal avec une charge le Shabbat. Je n'ai pas le droit de... D'accord? Je veux transporter amener un voisin à manger. Je n'ai pas le droit de poser ça sur mon animal et que l'animal le transporte pendant Shabbat, puisqu'il va transgresser lui aussi un interdit de porter dans le domaine public, dans la voie publique. D'accord? Ça, c'est un interdit, ce qu'on appelle l'ave de Mechamer. Deuxième, Shvitat Bemto, c'est aussi utilisé. Shvitat Bemto. Deuxièmement, de manière générale, qu'est-ce qu'on appelle porter? Comment définit-on l'interdit de porter dans la rue le Shabbat? Soit, question un petit peu plus vicieuse, pourquoi est-ce que j'ai le droit de sortir avec des habits pendant Shabbat? Je porte des habits, peut-être qu'il faudrait Shabbat sortir tout nu. Je sais pas, pourquoi pas. Pourquoi j'ai le droit de sortir avec des habits? Réponse, parce que les habits viennent enjoliver, agrémenter mon corps pour en faire, ils deviennent une partie intrinsèque de mon corps, donc ils sont permis. Partant de ce principe, ouais, je pars par là pour ensuite arriver avec le fameux ruban d'entre les cornes. Partant de ce principe, toutes sortes d'accessoires que je vais porter le Shabbat, porter, il faut bien comprendre, porter, c'est pas le fait de tenir dans la main. Ouais, si j'ai, d'ailleurs, si à l'époque où les gens. Supposons que j'ai une bague qui n'est pas décorative, mais uniquement pour pouvoir donner ma signature. Un sceau pareil, par exemple. La Gemara dit, celui qui sortirait avec cette bague, par exemple, un sceau d'un homme qu'une femme mettrait à son doigt, elle transgresserait un interdit de porter dans la rue pendant Shabbat, puisqu'il n'y a aucune décoration. Si c'est une bague décorative, alors dans ce cas-là, elle fait partie d'un habillement, ça vient pour embellir la femme, avec ce bijou, dans ce cas-là, c'est permis. Mais si c'est un pur accessoire, alors dans ce cas-là, il y a un interdit de porter cet accessoire pendant Shabbat. Les poskim modernes, contemporains, développent la question de porter une montre à Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de porter une montre? Alors, si la montre, elle est belle, elle fait partie d'un habit. Mais si c'est la petite montre simple, Casio, qu'on achète aux enfants, où il y a uniquement, ça montre l'heure uniquement, ça devient un accessoire, c'est plus un habit, il n'y a rien de beau. Dans ce cas-là, il y en a qui vont interdire, il y en a qui vont peut-être permettre, malgré tout. Même porter des lunettes, ça peut faire l'objet d'une question, en fait. D'accord? Maintenant, on revient sur notre Mishnah. Selon ce même principe, maintenant, toutes sortes... Alors, il y a un long perek dans la Sechet Shabbat, perek bame bema yotza. Si je ne me trompe pas, c'est perek revi, quatrième perek de Shabbat, cinquième. Cinquième. Ouais. Parce que c'est un tomnin. Donc, bame tomnin. Après, c'est bame bema yotza. Donc, Bame Bema Yotza, Bame Bema Yotza, là-bas, on va parler de quoi, qu'est-ce qu'on va définir comme une charge et qu'est-ce qu'on va définir comme un vêtement, si on peut dire, d'un animal. Tout ce qui sera considéré comme un animal, pour le protéger, pour éviter qu'il se fasse du mal. Là-bas, il y a tout un perek qui développe longuement. Pour notre propos, maintenant, là, on va parler d'un petit ruban de décoration d'entre les cornes d'une vache, pour qu'elle soit une vache qui rit, jolie. Alors, il y a en cela une discussion, si on peut dire. On va expliquer pourquoi c'est pas évident qu'il y ait une discussion, en fait. Mais Chachamim pense qu'on n'a pas le droit de mettre un ruban
entre les cornes d'un animal. Un animal, en temps normal, Ramataviv n'existait pas à l'époque. On ne faisait pas beau un petit chien en l'emmenant chez le coiffeur de chien. Ce n'était pas dans les mœurs normales des gens normaux. Un animal, c'était purement accessoire. Ça servait à faire des choses. Donc si il fallait lui mettre un manteau pour ne pas qu'il ait froid, on lui mettait un manteau, mais on ne se mettait pas à lui faire la raie au milieu, par exemple. D'accord ? Alors, partant de ce principe, on n'enjolive pas un animal. Donc, parato, et de ce fait, tu ne te mets pas à faire une décoration sur un animal. Si c'est pour rendre l'animal plus un signe de richesse, quelque part, alors peut-être ce serait permis. Mais si c'est une folie, ouais, une petite pince jolie, donc c'est en soi-même, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de le mettre, ça devient, c'est considéré comme une charge. Ça n'a rien à faire sur un animal. Pendant, sur un animal, de ce fait, c'est une charge. C'est plus un vêtement. Partant de ce principe, Chachamim interdit de mettre ce ruban entre les cornes d'un animal. Et Rabbi Elazar, selon la Mishnah, Rabbi Elazar ben Azaria permet. Pire que ça, la Mishnah enseigne que sa vache sortait avec ce petit ruban entre les vaches. Comme si Rabbi Elazar ben Azaria, en fait, c'était lui qui accrochait le ruban. En réalité, la Gemara, dans Shabbat, elle explique que Rabbi Elazar ben Azaria, lui, n'accrochait pas ce petit ruban entre les cornes, il n'y avait pas que ça à faire. Mais en fait, il avait sa voisine qui le faisait. Et Rabbi Elazar ben Azaria voyait la scène et se taisait. Il tolérait. Puisque Rabbi Elazar ben Azaria aurait dû la réprimander et ne l'a pas réprimandée, du coup, on l'a accablé en disant que c'est lui, que c'est Zavash lui-même qui sortait avec ce ruban. En réalité, Rabbi Elazar ben Azaria ne le faisait pas lui-même. D'accord ? En tout cas, ça c'était le premier point. Deuxième point. Omekardin et Abehema Beyom Tov. Pendant Yom Tov, on a le droit. Alors, si on a. Littéralement, excusez-moi. Mekardin, c'est peigner. En français aussi, on dit carder. On parle plutôt de carder une laine. Mais c'est le même principe, c'est le même chorèche, carder. C'est qu'on prend et on brosse pour soulager. On a le droit de soulager l'animal pendant Yom Tov. Donc, mekardin et abehema, on a le droit de. On va rester avec le mot de carder ou de peigner, de brosser l'animal. Be Yom Tov, pendant Yom Tov. De quoi on parle précisément? On parle en fait, on le brosse, on va l'évoquer ensuite dans le sujet de la Mishnah plus longuement. Il y a deux manières de carder, de peigner. Il y a une brosse, comme les brosses de femmes, quoi, où il y a là-bas des clous fins. Et si on se met à frotter fortement l'animal, alors très fréquemment, on va se retrouver à le faire saigner. Or, on n'a pas le droit de faire sortir du sang, même pendant Yom Tov, si ce n'est le fait qu'on va l'égorger. Malgré tout, Rabbi Elazar ben Azaria permettait de peigner, de brosser l'animal avec cette brosse, même s'il y avait dedans des petits clous que de temps en temps. Fréquemment, en fait, c'est arrivé que ça la fasse saigner un petit peu. Puisque ton intention n'était pas de la faire saigner, mais uniquement de la soulager, alors tu as le droit de le faire pendant Yom Tov, selon Rabbi Elazar ben Azaria. D'accord ? On va revenir ensuite vers la fin de la Mishnah, on va parler plus longuement, donc on avance pour le moment. Veshochakin et apilpelin barichaim shelahen. On a le droit de piler le poivre, le pilpelin, barichaim shelahen, dans leur moulin classique. Soit, on a déjà évoqué pendant Yom Tov, on continue toujours avec l'autre Yom Tov, ça va là aussi. Pendant Yom Tov, on a le droit de faire tout le nécessaire pour pouvoir manger frais, manger bon. Malgré tout, certaines, dans Masechet Beitza, on parle longuement, de définir, malgré tout, Chachamim ont interdit certaines actions qui demandent trop d'efforts ou d'autres actions qui étaient trop, comme ce qu'on dit, pas assez, pas shabbatique, quoi. Le moussak de Ouvdin Dechol. Tu fais quelque chose, une action trop grosse, trop grossière pendant un jour de fête. En l'occurrence, maintenant, si on veut moudre pendant Yom Tov, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de moudre. Si c'est pour manger tout de suite, ça fait l'objet d'une petite discussion. Tochen almenat lechol le'altar. Mais en tout cas, supposons que je veux moudre pour manger quelque chose d'ici 3 heures, 4 heures, par exemple, il y a un interdit de tochen. Ben, pendant Yom Tov, on a le droit d'être tochen pour manger. C'est permis. Autant qu'on a le droit de cuisiner, on a le droit aussi de moudre. Et si c'est pour garder la fraîcheur de l'animal, qu'on ne pouvait pas le faire depuis Yom Tov, on aurait le droit de faire pendant Yom Tov. Maintenant, malgré tout, donc, comme ce qu'on a dit, il y a des fois des actions qui sont un peu trop grossières, trop fortes. Alors, Chachamim ont dit, par exemple, si tu veux moudre des pilpelim, du poivre, alors tu le fais de manière un peu différente. Tu vas utiliser le dos d'un couteau, tu vas l'écraser avec, ou même avec un pilon, mais en tout cas pas avec le moulin classique, de le faire trop fortement comme ça. Et bien, malgré tout, Rabbi Elazar ben Azaria permettait de le faire pendant Yom Tov. Ok ?
Maintenant, on va mettre le zoom sur le deuxième halakha de Rabbi Elazar ben Azaria, qui était Mekardin Atabehema Biyom Tov. On a le droit de peigner l'animal pendant Yom Tov, le brosser. Sur ça vient Rabbi Yehuda Omer, En Mekardin Atabehema Biyom Tov, Mipene Shirosa Chabura, Aval Mekardzefin. Rabbi Yehuda vient et nous dit En Mekardin Atabehema Biyom Tov. On n'a pas le droit de carder fortement, de peigner, brosser fortement l'animal pendant Yom Tov avec cette brosse qui a des petits pics en fer, des petits clous, mi peneche osse chaboura, parce qu'il est apte à même à lui faire des blessures. Or, on n'a pas le droit de faire saigner un animal, même pendant Yom Tov, même sans le droit de l'égorger. C'est parce que ça devient nécessaire pour nous-mêmes, mais la chatouchel nefesh. Mais si c'est uniquement pour le zoologie, alors on aurait peut-être plus le droit de faire. Par contre, aval mekar tsefin, tu as le droit, malgré tout, de la peigner, de la brosser, avec, c'est précisé dans le Bartanora, bemegera shel etz gasot, avec des dents en fer, en bois épais. Que dans ce cas-là, tu ne fais pas de blessure, tu as le droit de la frotter avec, ça la soulage, l'animal, il se sent bien soulagé grâce à ça, mais pas avec les petits clous. Les chachamim omrim et chachamim nous disent, en mekardin, aflo mekartsefin. On n'a ni le droit de carder, ni même de brosser avec cette brosse qui a des dents donc en bois qui ne sont pas censées la faire saigner. Malgré tout, chachamim ils ont dit, étant donné que on ne veut pas te permettre de brosser avec une brosse en fer, on a fait un décret de ne pas te permettre non plus de brosser avec les pics en bois, donc qui ne blessent pas, de peur que les gens vont ensuite se tromper et utiliser la brosse en fer, et transgressant ensuite l'interdit de faire saigner l'animal. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.